Monsieur le Président, Oui. Dadis, Oui. je veux savoir, Oui. lorsque vous avez reçu les juges d'instruction en 2013, d'abord en qualité de témoin, vous n'étiez pas inculpé. Vous n'avez pas dit ça. En tout cas, nous, nous avons tous vos PV. Vous n'avez jamais parlé du complot du trio, ni en 2013, ni en 2015. Mais je vais vous rassurer. J'ai le PV ici. J'ai mon PV. Je vais vous montrer la partie. Oui, là où lorsque les juges d'instruction sont venus, oui. c'est écrit noir sur blanc. C'est un complot de trio. J'ai parlé d'un complot savamment orchestré. Mais vous n'avez pas dit le trio. Non, quand j'ai dit trio, mais oui. ça c'est les détails. Mais pas de discussion. C'est les détails que je suis en train de dire. Je veux seulement retenir que... Pas de discussion, maître. Ouais. Merci. Je veux retenir seulement que vous n'avez pas dit. Je passe. Monsieur le Président, dès après les événements du 28 septembre, mes confrères ont posé la question ici. Suivez la question, M. Oui. Camara. Oui, je me suis bête. Vous avez accordé des interviews. Oui, maître. Une interview a été accordée à RFI. Oui, maître. C'était le lendemain. Vous avez clairement dit... Oui. que les sympathisants de CNDD ouais. ont réagi face à la provocation des leaders. Et il y a eu accrochage. C'était une manière de justifier ce qui s'est passé au stade par un accrochage. Est-ce que vous maintenez? Parce que moi, j'ai la vidéo ici sur YouTube. Vous avez parlé d'accrochage entre les sympathisants du CNDD et les manifestants. Dans quel contexte cela a été dit? Parce que... Reprenez la question, maître. Vous aviez accordé une interview à RFI dans laquelle vous avez dit, pour justifier ce qui s'est passé au stade, vous avez dit que les sympathisants du CNDD il y a eu accrochage entre les sympathisants du CNDD et les manifestants. Est-ce que vous avez dit cela? L'audio existe ici. Je peux la mettre sur clé, distribuer à tout le monde. Est-ce que vous avez dit cela? Que les sympathisants du CNDD ont fait accrochage avec les manifestants. Mais dans quel... Je ne sais pas. Bon, parce que quand si vous parlez comme ça, vous pouvez lire intégralement ce qui a été dit. C'est important. Pour ne pas trop perturber, sinon je peux prendre mon téléphone, je mets l'audio et tout le monde va entendre. Bon, et bon, même si... Si vous niez... Non, attends. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Même si cela a été dit, c'est comme je le disais tantôt hier, quand il y a eu les événements, je n'étais pas vraiment... J'étais choqué. Et du côté des leaders et du côté des militaires. Donc, si vous voulez prendre ça comme... ce que vous voulez considérer, moi je ne considère pas ça. C'est pas un acte auquel on peut dire que j'ai envoyé. Capitaine Dadis a envoyé des gens au stade où ils étaient en complicité. Non.
toutes ces questions, je suis en train de les répondre, c'est pour effectivement la manifestation de la vérité. D'accord. Je pose une question. La réponse est pour le tribunal. Moi, je suis satisfait. Je passe. Dans une interview également, intitulée « Le destin », là vous avez dit « Le destin est phénoménal », votre réaction dès après le 28 septembre, c'est comme si vous venez de remporter un combat de titans. Selon vous, maître, selon vous. Quelle est la question, maître? Ma question, est-ce qu'il a regretté les événements du 28 septembre? Maître, à ce niveau, même étant là, je le regrette. Parce qu'il y a eu des cas de mort, quand même. Il faut être un Satan pour dire que on ne le regrette pas. Je le regrette. Il y a eu des cas de mort, des cas de blessés. D'accord. Vous regrettez, il y a eu des cas de mort et des blessés. Il y a eu des cas de mort et la Guinée a été endeuillée. Ça, je le regrette jusqu'à maintenant. D'accord. C'est pour ça d'ailleurs que je suis devant le tribunal. Monsieur le Président. Oui. Vous, en tant que président de la République, à votre arrivée au pouvoir, vous aviez prononcé un discours encourageant. Dès après, les choses ont changé. Vous avez dit dans vos différents PV que vous n'avez pas la maîtrise des hommes, alors que vous avez promis autre chose au peuple de Guinée. Lorsque vous vous êtes rendu compte que vous ne pouvez pas maîtriser la situation, que les hommes étaient incontrôlés, alors qu'on ne vous a pas mis à la tête du CNDD pour diriger un groupe incontrôlé, pourquoi vous n'avez pas démissionné? Merci, maître, pour cette question. C'est ça d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la responsabilité d'un officier. Devant les difficultés, il faut s'efforcer, il faut l'assumer. C'est pas parce que tu es parti en guerre pour une première fois et tu as eu, comment dirais-je, tu as eu une surprise que tu ne vas plus repartir. Tu peux replier, mais tu peux toujours avoir le courage et puis continuer ton travail. Donc, par rapport à cette question, maître, oui. Ce n'était pas le problème d'un problème de démission. Je voulais faire de mon mieux pour ce peuple, c'est ce qui m'animait. Parce qu'aucun être n'est parfait. Je voulais faire mieux pour ce peuple. Sinon, si c'était pour un cas de démission, comme vous le dites, mais je me serais dit, mais attention, mais je viens ce que j'ai à prendre, et puis je prends, puis je m'en ai terminé. Mais c'est le fait d'avoir le souci de mieux faire pour mon peuple et que l'idée de démission n'est pas venue. D'accord. C'est simplement ça, maître. Vous n'avez pas démissionné. C'est ça le résumé. Et vous avez dit ici, dans cette salle,
que le fait que le général Sékouba Konaté s'est rendu à l'intérieur du pays, tout ça là, c'était le complot là. Est-ce que vous pouvez dire que vous n'avez pas été informé? Vous pouvez réitérer que vous n'avez pas été informé du déplacement du général Sékouba Konaté? Que si je n'ai pas été informé de... De son déplacement. Il est parti hors de mission sans vous informer. Mais c'est ce que j'ai dit, On quitte la baie. On rentre à une heure tardive, fatigué. Même l'appel que j'ai eu à faire avec M. Sidia, je ne tenais pas. Imaginez, le matin, c'est le ministre de la Défense qui va à l'aéroport, à l'armée de l'air. Il prend son avion pour l'intérieur. Mais c'est miraculeux quand même. Bon,